Je veux plus rien louer là, la sagesse louer là. Bamba, bamba, non, non. Allez, allez. La sagesse louer là, vous n'êtes pas bon, mais. Oh, oh, et nous, mais. Ah, et nous, mais. Si vous êtes un sous-sol là, venez. Black, à bout de bête. À bout de bête. À bout de bête. Image la ka deranje ou, mais ça li passé malheureusement nan kafou fey. Probablement on pa de volonté pour garder mauvaise image, pour tande mauvaise nouvelle encore sous pays d'Haïti. Même jan moi-même moi toujours révèle chaque fois me prend micro pour faire émission de jodi tête moi. M'ta remè nouvelle que m'pral bayo pa choke moun. Mais malheureusement émission ça m'pral fè là si ou pa gen kè tan pri pa gadil. Et sou senti ou remè saisi ou remè pas temps rapide vite pour on vèt l'homme de bon côté ou parce que m'pral ba une nouvelle malheureusement pa trop fort bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a un gros courrier fait dans le Kafou Fey. Et gros courrier, ça, c'est l'ivini suite à une grosse bataille qui éclate avec monsieur Yomba, surtout monsieur Chris Layo, qui pratiquement tape bataille avec monsieur Grand Ravigno. Qui s'est vint passer, qui s'est vint arriver. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il était capable peut-être entre 9h du matin avant-hier, à savoir mercredi dernier, yon mouvement qui a commencé à faire en bas. Mais d'après vous, avant même monsieur qui a commencé à toquer Konyo, la police nationale d'Haïti a commencé à faire de grands mouvements. Et la police a tendu le mouvement en face de yon, côté de yon, pas de le choix. C'était courir. C'est ça que la cause, c'est un bruit courir qui a lagué. T'as comme quoi, monsieur, si la pli, t'es mouru, t'es pris en balle. Non, c'est pas de ça. D'ailleurs, on connaît ça déjà. Tout autant nous parler, malheureusement, bagaille poko capable prendre la rue, yo poko vrai. Parce que nous prenons ça, nous prétendons nous chercher information et nous garder, nous analyser, nous voir comment le présenter avant même nous porter le baou comme grand public. Après bataille ça, après la police nous fait grand mouvement ça. Et bien mes frères et sœurs amis, il était venu engendrer que monsieur a fait un pile mouvement. Bral Kito garde une vidéo, malheureusement, son vidéo tragique, côté n'a eu coupé tête à pied, il y a un monsieur qui se l'a eu. Il a voyé le bail Iso Village. Malheureusement, image là encore, je me dis là, le cas choqué. Il y a des bagailles, je ne peux pas vous trouver. Mais si vous êtes intéressé, écrivez dans le numéro ça, ou bien entrez sur le lien groupe là. Ou êtes capable de jouer toute image ou bien quitter le numéro de téléphone ou laisser ça capable de partager avec vous-même. Mais avant même quitter regarder l'image, côté monsieur, t'as entraîné, t'as fait TikTok avec une vidéo. Pilsam. TikTok n'a pas fait. Je vais prendre un loup là, la sagesse loup là. Bamba, bamba, non, non. Allez, sagesse là, vous n'êtes pas bon, mais. Oh, et nous, humain. Ah, et nous, humain. Si vous êtes un sous-sol là, venez. Black, à bout de bête. À bout de bête. À bout de bête. Vous souhaitez garder monsieur en bas qui surtout dans Kafou Fey. Vous voyez ça, zone sa grande ravine. Et avant, c'est tout de suite à pour passer pour l'hôpital sanatorium. Non? Immédiatement, au fond, une minute à marcher. Vous tombez exactement côté son saut. Où est-ce que vous tirez? D'ailleurs, on l'école en bas. L'école ça, c'est une école qui est toujours entre eux, qui servit comme intermédiaire, comme discussion entre deux groupes. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tu as gagné un pile gros bataille qui t'a fait.
La bataille n'a pas trop fait mon plaisir. C'est une bataille qui était campée en zo plein dingue. Une bataille très laide. Eh bien, monsieur, tu as décidé de dire il n'y a pas de chance à aucune personnalité. Il était capable 11h du soir. Côté bataille a été engendré dans la nuit, le mercredi dernier, monsieur qui était 16 novembre. Bataille a engendré, mouvement a fait, démarche a marché, un pile gros mouvement a tamé. Et même mes frères et sœurs amis, il paraît comme un impératif. Oui, c'est un impératif total capital. Côté diverses personnalités, t'as essayé entre Brignot pour chercher ouais qui s'est capable possible. C'est dans le moment ça, t'as pris à gagner, y'ont fight. Dans le temps, l'autre monsieur, yo, malheureusement, qui t'a pris la nécessité. Malheureusement, mes frères et sœurs, plusieurs n'ont pas mouru. Image là, dommage. M'a seulement expliqué, ou pas trop ou bien, et vous connaissez rien, ça, je m'a expliqué bagala, il faut vivre bagala, laissez-vous sentir plus bien. Dommage. Mesdames, messieurs, si l'élément ça, vous avez regardé les gens là, c'est côté de vous qui fait mouvement. Vous avez pris la tête, vous avez monsieur, vous avez dit, vous avez arraché la tête, vous avez coupé la tête, vous avez maltraité, et finalement, vous avez vu l'ISO. Vous avez quitté autant de ISO également, qui a expliqué, c'était comme une blague, selon monsieur, parce que monsieur, gardez le voyage pour ton pied, pour ton tête. Toute palette là devant yo, c'est des images tout à fait choquantes. Oui, je suis sûr. Et malheureusement, je suis navré, mes frères et sœurs amis, même d'expliquer. Même dans me dit avec monsieur Sayo qui pratiquement bay tête yon connotation. Yo pa vle suspend font série de bagarre dans la cour Port-au-Prince. Yo bay tête yo yon intérêt c'est continuer faire mouvement, c'est continuer maltraiter moun. C'est continuer à permettre que des difficultés à travers tout pays, côté que moun pas capable de marcher avec eux-mêmes. Est-ce que pas gon l'heure pour bagaille ça camper? Est-ce que l'État va obligé continuer à faire well dans une dimension que en pile moun pas attendre? Puisque nous-mêmes en Haïti, nous avons tendance assez souvent tant nos solutions qui viennent de la part de l'État seulement. Mais pas une solution radicale, systématique, vitale qui vient. Tout Haïtien, dans le moment même, a plaigné. Après les embouillés pour l'État, il a comme quoi, pas voulu servir à lui-même comme ça devrait. Puisque nous-mêmes, au niveau international, là, nous avons souvent voulu Haïti une délivrance qui vient là-dedans. Nous avons souvent voulu que bon bagaille qui marche en Haïti. Nous avons souvent voulu que bon changement qui opère. Mais malheureusement, le changement ça y est pas finalement toujours venu pour des raisons pour quelques l'autre parce que je veux dire que Haïtiens sont têtes qui mélangées, sont têtes qui piégées et sont têtes qui ont pile difficulté là-dedans, mesdames, messieurs. Donc qui ça possible? Pour qui ça nous choisit camper comme ça? Et enfin, qui décision nous prenons pour nous prendre par rapport à la situation qui normalement a détérioré à travers tout Haïti. Bon, en tout cas, avant que nous fassions plus de commentaires, expliquons plus de détails, nous allons regarder la vidéo où malheureusement bien tenté comment Iso Village, mes frères et soeurs, amis, et lui-même, il t'a pouvait coller et il t'a parlé après que M. Grand Avignon. Et après, tu l'as pris, tu fin raché, dépatcha. Tu n'as pas dit là. Et tu t'es voué quoi à tête là. Bye, monsieur. On arrive, je suis venu. Artiste, et musique, je fais un balan goumé. Négotier au monde, grand avine, je vois tête là. Je me demande pour qui ça me fait tête là. Je dis, oui, moi, tu fais musique là. La musique, côté, me dit, allô, là, tout est là. Vous tête là, c'est que vous voulez faire là. Un bandit, un criminel. Quand on a peut-être musique, nous voulons être un bon monsieur. Faut pas faire artiste là ça, hein? N'a pas ciblé. Faut pas faire artiste là ça. Les potes bail pour faire artiste non? Pendant qu'on va me faire sortir.
Je suis fanatique, mais je plaide pour nous. Ok, puis je fais baisse encore. Je ne peux pas faire musique baisse. Je vais dire la musique là. Normalement, on se garde l'image ça. C'est sûr, autant d'il. Vous croyez que ça t'a supposé interpeller en tant que monde? Oui, c'est normal, il y a des jours. C'est vraiment normal parce que personne ne peut jamais souhaiter. Personne ne peut jamais espérer un bagaille comme ça. Situation ça, c'est une situation qui doit changer. Une situation qui doit finir. Une situation qui doit suspendre par rapport à ce bagaille ça va continuer dans le pays. Personne ne peut souhaiter que bagaille ça va continuer. Puisque l'intérêt de chaque grand haïtien, c'est permettre que Haïti joue un souffle. C'est permettre que Haïti joue une délivrance par rapport à la difficulté à faire face chaque jour plus. Par rapport à la difficulté à faire face matin, midi et soir. Est-ce que Haïti n'est pas arrivé dans le carrefour côté que nous-mêmes personnellement, nous sommes obligés de dire nous quelques choses que malheureusement, nous ne sommes pas obligés de dire. Est-ce que ça ne va pas arriver? Nous faisons choix. Malheureusement, que nous ne sommes pas obligés de faire. Puisque Haïti a cherché une solution. Nous cherchons un bagaille qui est capable de délivrer. Nous cherchons un bagaille qui est capable de mettre dans une autre tendance. En tout cas, mesdames, messieurs, et c'est monsieur ça qui a fait causer. C'est eux-mêmes qui a fait, il fait. C'est Libé, Liba. C'est ça, n'est-ce pas? Blayer au pape fait dans le moment même n'a pas lié à là. J'aimerais dire à chacun des Haïtiens, ayez courage, soyez fort, soyez inébranlable, puisque la situation est déjà exorbitante, déjà caustique. Ce que nous devons faire, c'est de tenir la main forte afin de délivrer cette race noire, même de la même manière que nous faisions déjà, madame. Dès qu'il kidnappé monsieur, je ne sais pas qu'on est. C'est ma banquette sur monsieur tout. Je ne sais pas si monsieur Moutard, je ne sais pas monsieur parce que. Etc. Je ne sais pas si dans la caille, monsieur n'est pas prêt, monsieur même. Et en réalité, je dis à monsieur, fouillé en pile monde. Je continue à détourner ma machine sans problème. Machine qui a fait sous zone meilleure. D'ailleurs, nous avons entré dans la camionnette. Son pays difficile. Actuellement, là, si nous avons entré dans la camionnette, il a fouillé la camionnette là. Et puis, il a regardé qui est-ce qui. Comme si sous bien habillé dans la camionnette, il risque de kidnapper. Et puis, il a propre. Il a semblé propre comme si tant que son monde qui a brassé, qui a mené, ou sous pour kidnapper. Ou en a qui est arrivé. Donc, nous arrivons très bas. Ça veut dire que les gens continuent à kidnapper les gens sur la route sans problème. Et parmi les gens qui sont victimes, il y a des policiers qui sont en kidnappés actuellement. Et les gens qui kidnappent les gens, ils relèvent la caille. Les gens qui relèvent, ils disent que sans les gens qui n'ont pas de gens, ils demandent pour que les gens portent des âmes dans le bas et libérer les gens. Donc, c'est une parole quand même. Ils disent pour que les gens portent des âmes dans le bas et libérer les gens. M'baronne, mais ça n'a pas été dit. Ça veut dire que les policiers qui n'ont pas de ravisseur, pendant qu'on a parlé là, ou un qui s'appelle y a tombé. Pas de problème. Nous prenons un coup de pied Brésil rapide avec collaborateurs, nous, confrères, nous, collaborateurs, nous, parce que Johnson DeRozan, ses yeux nous tournent dans le pays Brésil. Donc là, on a un bar qui n'est pas fini, ok? Fon fon rele mouche pour nous dire ça qui passe. Mais ça fait quelques temps dans bousqué li. Nous pas jamais joindre ni dans ville là. Finalement, monsieur t'ai décidé pour fonti parler avec nous après-midi an, parce que gen plusieurs points que nous supposé garder rapidement sous affaire politique am sud là. Nous pral garder ça avec des rosins. Et par exemple, gen yon monté là en puissance la gauche. Ben là on a moi pas là dedans et moi a monté sérieusement moi pas à ton côté là c'est la petite cause non donc moi gon monter en puissance là la gauche nous pral font ti garder ça rapidement et dans dernier point nous pral garder
ça qui passé ensuite n'a gardé l'élection de fête Brésil là avec Lula qui l'espoir surtout pour les immigrants en particulier les haïtiens parce que je dis à grand chasse qu'a fait aux haïtiens un peu partout en République dominicaine c'est vraiment catastrophique ça va passer là même des dominicains de sang yo protesté énergiquement contre qualité traitement ça y a bas en série de haïtiens m'a regardé un dominicain qui a critiqué la police dominicaine qui a critiqué Luis Abinadel qui a dit que faut gagner une réforme faut bon passer mec qui fait dans police là li pas normal m'a regardé comment nèg pour un jeune haïtien nèg la pral ouvrir machine yo raler le met à terre pour a bal coup de poing bal coup de botte bal coup de kozam c'est pas normal c'est inhumain c'est inacceptable Johnson monsieur bienfrère pas sur écran là Johnson de Rosin frère tout temps. Bonsoir et bienvenue. Comment vous êtes? Bonsoir, bonsoir Tété et bonsoir frère. Nous en forme, nous très bien. Nous avons un écho. Nous avons si vous sous casque ou bien sous speaker. Nous avons un écho. Nous avons un écho. On garde la cognée, est-ce que tout est normal? Oui, nous avons correct. Ok, très bien. Alors, nous saluons Tété, nous saluons tous les connectés. Même si vous êtes à Tété, auditeurs, nous sommes sur radio, donc internautes. Nous capsule sur YouTube, sur Facebook et sur toutes les plateformes. C'est toujours un plaisir pour nous là ensemble avec vous, pour nous partager l'information. Alors, vous dites, nous là, sauf que vous connaissez. nous là, pour nous partager l'information ensemble avec vous. Merci, Johnson. Vous connaissez que nous n'avons pas capable d'aborder rien sans pas demander comment la communauté a été dans le pays Brésil, comment elle a fonctionné pour l'instant, comment ça y est, parce que je remarque tout. Gagné en équipe haïtienne de Brésil qui a quitté Brésil qui obligé prendre route là à pied qui a rentré vers Mexique avec l'espoir pour rentrer aux États-Unis. Pour l'instant, comment communauté haïtienne y a évolué au niveau du Brésil? Bon, pour nous parler de communauté haïtienne dans Brésil, il faut nous toucher plusieurs aspects. OK, sur le plan légal, et haïtiens qui vivent au Brésil, ils n'ont pas de trop grosses difficultés parce que le Brésil a une politique migratoire qui facilite l'intégration. Okay? Notamment pour les haïtiens, et quel que soit haïtien qui vient au Brésil, depuis déjà touché le sol, il y a une possibilité pour lui venir un résident normal au Brésil. Donc, sous point ça, je dis, migrants n'ont pas aucun problème. Maintenant, l'autre aspect pour nous regarder, c'est surtout l'aspect économique. Là. Brésil en lui-même a traversé une crise économique et une crise qui dure plusieurs années. Donc c'est sûr que la crise a affecté la communauté, a un impact sur la communauté. Vous connaissez les haïtiens qui dehors, ils ne pas seulement vivre pour tête, donc ils ont l'autre monde qui en Haïti pour les supporter. Les pays côté migré, économiquement, pays n'est pas en bonne santé. Ça a un impact sur yo et un impact sur le monde qui est en Haïti. Ok, donc sous point ça, je suis capable de dire que les migrants sont victimes ou bien ils subissent tout problème économique qui gagne dans le pays Brésil. Mais ils n'ont pas subi violence. Par exemple, la République dominicaine a fait sous Haïtiens qui vivent en République dominicaine, l'État dominicain a fait. Si vous permettez d'ouvrir un petit parenthèse sur ça, parce que même Haïtiens qui vivent au Brésil, entre eux, ils ont opiné sur ce qui a passé en République dominicaine. Qui c'est absurde ce qui a passé en République dominicaine. Donc, l'État dominicain, il pratiquement tourné un État anti-haïtien. Et faut que nous chercher origine problème ça. Yon principal raison que fait Dominicain yon anti-haïtien comme ça pendant la dernière année ça yon, parce que moi-même, moi sorti dans la ville qui est le Wanamet, donc je sorti dans la frontière, relation haïtienne-dominicaine, dans son relation que je connais très bien, moins vive li. Li pas toujours comme ça. T'es toujours gagné de ultranationalistes en République dominicaine, t'es toujours gagné de Dominicains. D'Acadie qui gagne animosité contre haïtiens, mais je le vis de façon systématique, là, pas toujours comme ça. Notamment au niveau peuple, yo, t'es toujours gagné, on vit ensemble. Moi-même, par exemple, dès qu'on a couru bicyclette en République dominicaine, premier côté mal appris en informatique en République dominicaine, Dominique était qu'on vient visiter Haïti. D'ailleurs,
ville qui en face Wanamet là son ville qui est Dabon qui était une petite ville tout petit Wanamet te gain plus infrastructure Wanamet ton ville qui est plus propre plus belle que Dabon Dominique ou te kon vin flané Haïti lè ou besoin acheter un bel rat Haïti ou te kon vin acheter mais qui ça changé pendant période ça c'est économiquement République dominicaine vin grandi totalement et puis Haïti lui-même li reculé donc si vous regardez bien et même si vous avez retourné dans l'histoire ou après tout pays qui partage frontières terrestres depuis gon déséquilibre total entre deux pays sur le plan économique, c'est conflit lié. Ouais, c'est vrai. Et nous toujours dit si instance qui gagne dans la région tant que OEA, CARICOM, yo pas mettre bouche dans ça qu'a fait là, li pral rive non conflit armé. Peut-être l'état haïtien qui pas ka goumé directement avec la République dominicaine, mais il y a des groupes haïtiens qui pral obligé défendre tête yo ou bien rentrer dans conflit avec dominicain par rapport à ça qu'a passé. Donc, déséquilibre économique là, il est trop. Dominicain yo y a produit service pour une population, mais service là il pas ka pour deux peuples. OK? Donc, c'est dirigeant haïtien qui peut faire de façon à ce que yo produit plus service là ca, yo produit bien la caille. Parce que dominicain bon budget ali pour population la caille. De qu'on y a pas qu'à vler pour ces deux peuples qui ont joué de budget. Donc, et ils viennent de façon systématique, donc ils viennent rentrer dans la tête dominicaine, même que les Haïtiens sont ennemis, alors que nous partageons même les îles, nous sommes supposés vivre dans deux peuples, même frères. Ouais, c'est, okay? C'est juste une parenthèse que nous avons ouvert sur la République dominicaine pour nous retourner dans la Amérique du Sud, pour nous dire que le Brésil, ça tape mal, notamment. Et sur le plan légal, donc intégration sur le plan social, il n'est pas trop difficile Brésil pour les Haïtiens. Ah, eh ben, mais pour qui ça? Alors, bon, vous expliquez ça, parce que sur le plan économique, si il y a un petit problème, il y a une crise, Haïtiens ont parfois ressenti en difficulté, pour le travail, ils sont obligés à chercher l'autre côté pour la guerre, mais si pas un trop problème pour papier, pour qui ça un Haïtien qui Brésil, depuis le cas dégagé, il est obligé à craser colis pour venir dans l'autre pays. Donc là sont l'autre détail mais on regarde Johnson, c'est quoi vivre un bon temps. Ça sous point ça autocéa et tété. Li gagne aspect économique là, mais on pense tout li gagne un aspect culturel. Comment expliquer ça? Haïtien nous ont déjà instable. Oh. OK. Et au carrément que même Haïtien traversé États-Unis. Qui traverse Dalgan kal États-Unis, gòp il nou gètan kite États-Unis kal Canada. Oui, m gan pi l'exemple. Ouais. Non mais gòl l'autre réalité, moi m di sa k pase sou point ça. Et est-ce que c'est parce que haïtien yo instable ou bien chèche moyen ki pi facile pou yo parce que Canada en réalité, moun yo jwenn papier pi facile que États-Unis, oui. Yeah, parce que m gen plusieurs la te États-Unis et ki kite, ki gen difficulté pou yo jwenn document. Alors que yo allé Canada, yo accepté yo rentré, gagné espace yo fait même maison des réfugiés que m'dal visiter, côté yo ba yo formation tout bagaille et puis non laps de temps yo ba yo papier pour yo al travail, yo ba yo normal papier travail. Alors que ici yo t'es capable difficile pour yo joindre. Il va prendre plusieurs années, donc bien vous comprenez. On comprend l'aspect ça, mais ça pas empêcher que nous sous garder parcours par exemple des haïtiens. Yo kite Haïti, y a la République Dominicaine, kite République Dominicaine, yo al Chili, kite Chili, yo vin Brésil, gen ou sorti Brésil, ki retourne République Dominicaine. Donc ça crive. La vie migrant, c'est pour la vie qui facile. Ouais. Yo pral réussi, m'daka di, pendant claquer droit tout. Ouais. Ou même, ou son migrant, ou ap vive États-Unis, c'est sûr que ou pren temps avant ou créer chemin, avant ou construire succès. Ouais, parce que ça, pour qu'on ait quel que soit pays qui est hein, succès, c'est où pour le construire. Correct. C'est vrai qu'il y a des espaces qui ont plus d'opportunités que l'autre, ou qu'il y a plus de facilité pour saisir l'opportunité, parce qu'il y a des conditions qui sont créées pour ça. Mais, on ne peut pas aller à tes conseils pour tout riche, ou du moins tout son besoin rejoignent. OK? Donc, des fois,
instabilité que vous gagnez en fait que vous pas construire rien de solide tout. Okay. Vous faites 2 ans Chili, 2 ans Brésil, 2 ans États-Unis et chaque pays où rentrer c'est recommencer. Oui, c'est vrai. Alors que si vous êtes parti, vous êtes identifié des opportunités gagnées et vous êtes saisi des opportunités, vous êtes capable de construire des bagages qui sont solides. Alors, c'est juste pour me dire que les haïtiens qui quittent le Brésil, c'est pas parce que ils n'ont pas légal, c'est pas parce que économiquement ils n'ont pas plus ou moins stable. Donc, ils ont des conditions non seulement pour vivre, ouais, mais pour aider mon tout. Mm-hmm. Mais ils ont juste choisi d'aller parce que, un, nous instables même, et deux, quand pile le monde qui comprend depuis qu'ils n'ont pas États-Unis, donc ils n'ont pas nos grands pays. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai Abdi là, malheureusement, ou pas dans l'émission qui est à la découverte de la diaspora haïtienne, que nous parlons uniquement de diaspora. Mais je regarde un exemple, je songe, qui est-ce? Colossien même, je regarde ça, on le. Et puis, gon jeune, il a été déporté, qui était sous Ponte Exasta là, il a été déporté, monsieur, Haïti. Alors, ça arrivé, c'est que monsieur a bien vivre dans le pays Chili, monsieur a un business, etc. Monsieur a un caï, que lui-même, il a sous le monde. Li quitte tout bagay sa retombe ak l'idée pour venir aux États-Unis. Et malchance pour monsieur, yo déporté l. Bon, par contre, il a eu chance de retourner en Chili encore. Alors que qu'on a obligé à le recommencer pendant que le était en boss dans le pays Chili. C'est vrai, instabilité a, li la kay nou vre son vérité. Gen moun ki pa d'accord parce qu'en pile haïtien pa vle tan de vérité, mais faut nous gérer question ça. Faut créer stabilité la kay. N'importe côté ou yé ou ka vive, automatiquement ou même ou créer conditions pour fonctionner. C'est-à-dire, si vous quittez Haïti, c'est parce que vous avez insécurité. Donc, si vous arrivez à côté ou estimez pas de insécurité, même j'en ai la caillou, ou qu'à travailler, ou qu'à créer succès. Donc, puis les jeunes qui ont bien passé qui là, les voisins, qui ont bien passé qui Chili là, c'est parce qu'en pile, nous pas tenté de créer. Donc, l'un pas créer, qu'il y en a le souffri du devant. Et nous créer plus d'instabilité. Et Fanel Bojé t'a dit plus sur dossier ça et son vérité. Oui, on garde parti ça, m'te dit à l'heure au départ, de Rosin, m'connais qu'on fait une lecture vraiment globale sur Jean, pays âme sud y a fonctionné et n'a pas gardé. Jodi a gagné, yon remonté de la gauche dans âme sud là, m'a gardé un paquet de monde qui vient lui là. Qui sorti dans gauche là. Alors me décide Jean-Charles Moïse a gonne qui fait commentaire. Tendez bien papa, me dit Jean-Charles Moïse son nèg qui a prôné de gauche. Bon, rien doit pas connait ou ka dit moi mais jusqu'à présent Jean-Charles Dou lui même li de gauche. Bon, en tout cas, lui même a bon Dieu te connaît. On garde ça Johnson qui lecture de situation ça comme si remonter gauche dans Am Sud là la grand pile président qui est monté qui sont penser que ça ka porté ça va bail comme résultat jodi en là. Très bien. Alors, pour nous parler de Ndakazi, moment qu'on y a, l'important pour nous faire retourner dans le passé. Ouais. Notamment, 10 ans de cela, la gauche était en vogue en Amérique latine. Ou te prends par exemple, Chavez Maduro, Venezuela. Ou te gagne Mouika par exemple, en Uruguay. Ou te gagne Michel Bachelet, Chili. Rafael Correa, Équateur, Evo Morales, Bolivie et autres. Donc, l'Amérique latine était à gauche, c'est ça qui est le socialisme de l'Amérique latine, qui a des particularités, d'accord, dit, et sur le plan économique, plus ou moins libéral, ok. Donc, ça, c'est l'autre débat. Mais c'est juste pour me dire, 10 ans de cela, l'Amérique latine était à gauche. Vini rive nan 2012-2013, nan deuxième parti, d'accord, dit, année 2010, yo, la droite prend pouvoir en Amérique latine. C'est sacrifié par exemple en Chili avec Pinera. Donc plusieurs autres pays encore côté la gauche et la droite viennent prendre pouvoir. Brésil vient de Bolsonaro. Mais manque de résultats que la droite li pa bay satisfaction que li pa bay notamment à Massio. A une série de programmes sociaux qui n'ont pas qu'un fait que n'ont pas même duré 10 ans la gauche retourner au pouvoir. Gardez bien, Chili, déjà c'est la gauche avec Gabriel Boric. Donc Pigné l'a tombé, il n'y a pas de possibilité pour
élu un nouveau président qui sorti à droite. À droite, ouais. La gauche reprend le pouvoir. Mexique, c'est Obrador, Andrés Manuel López Obrador qui sont au pouvoir. OK, Argentine qui est retourné à gauche avec Alberto Fernández. Et si vous regardez Colombie qui se paye toujours à droite pour la première fois dans l'histoire, il y a gagné Gustavo Petro qui est un président de gauche. Et Lula reprend pouvoir, on t'a dit au Brésil qui c'est lui-même tout représentant la gauche. Donc Amérique latine retourné rouge, on va dire comme ça. Il retourné à gauche encore. Ouais. Et raison moi ça dire lui c'est surtout satisfaction économique qui pas gagné. Pas gagné satisfaction économique dans pouvoir de droite. Yo fait que moun yo retourné à gauche encore. Maintenant qu'on y a là qui attend qui gagne, qui satisfaction moun yo a retenu. C'est la grande question parce que le monde a fait face avec ça aurait une crise économique, une crise économique mondiale après la pandémie coronavirus, la guerre et la Russie Ukraine fait que un pile pays rentre en récession, inflation li monte un peu partout à travers le monde. Donc Amérique latine lui-même tout la fait face avec lui et nouveau n'ta dit on deux gros sacrivea, c'est sûr que yo même tout il y a pas gain pour faire face avec difficulté ça pour la capacité pour porter réponse pour lever défi ça c'est ça qui va permettre yo de résister pour la gauche capabilité pour un pile temps sous pouvoir en Amérique latine. Donc son fait effectivement aujourd'hui la gauche la gauche face en Amérique latine la gauche face à destin que la subir responsabilité pour l'arranger pour le temps de pouvoir on a plus temps que possible. Oui, parce que le monde, c'est comme ça. Politique, mon tendance, c'est ou font coup après ou baisser, me font coup après ou baisser, me font coup. Donc, c'est le monde qui pi bien géré, d'accord, défi, ou capable de faire plus temps. Oui, c'est vrai. Sous pouvoir. Ouais, et si vous avez, par exemple, quitte l'été États-Unis, ou après République démocrate, République de pas jamais gagné, yon qui allait totalement. Parce que à chaque fois qu'il y a des défis, ou pas répondre à des défis, la population qui a besoin de changement. Ok? Ouais. Non, mais ce que je dis là, il est aussi valable, parce que je regarde au bas là, je ne connais pas. T'as semblé Trump envie retourner sous nous là, aux États-Unis. Red, où maintenant? Ce que je regarde là, hier, Monsieur Lance, alors, officiellement, il présente là comme candidat 2024, parce que. Il était couru derrière Trump parce qu'il était mal géré question Covid là. Mais grand pile monde tout te dit que avec Trump économie était plus ou moins. Cependant, Biden vient dans un contexte qui compliqué tout et monsieur a investi un paquet d'argent là dans question Ukraine etc. Donc économie américaine n'a pas frappe bien que monsieur dit bon, il fait pile l'effort dans économie etc. Cependant, tout bagage cher. Kounya malheureux pas fonctionner normal ici. Tout bagage cher dans pays. On y a moi mon yo là gon sel folie encore. Gon sel folie pour Trump là. Tu vas vite tourner sur nous la red oui. On garde ça et Johnson. Parlant de la gauche, you nan nèg comme si qui nous capable dire son papa dans cause ça, c'est Lula da Silva. Nous ouais malgré monsieur, yo t'y arrêté et cetera, yo accusé mais yo rejeté accusation, monsieur retourner là et président sortant est toujours peur monsieur malgré tout. Et monsieur retourner là nous ouais malgré nan un vote qui te paraît difficile au final monsieur élu président. Qui sont pensés avec Lula Brésil capable bénéficier parce que monsieur apprend l'âge tout. Même ouais monsieur gan pile monde qui appuie elle pour qui ça l'amour ça d'après ou pour Lula parce que m'pa jam parler sur dossier ça m'te vle ou pour nous faire parler sur ça. Alors élection et qui sont fait Brésil là sont élections atypiques pour plusieurs raisons. Et en plus, le monde pas pensé Lula capable retourner candidat encore parce que après monsieur fin fait deux mandats, pas oublier monsieur t'es réussi élu Dilma. Donc après ça monsieur en prison, monsieur fait 580 jours en prison et monsieur retourné sur scène politique là, retourné en force les candidats. Il participe dans l'élection, il gagne l'élection. Donc ça, c'est une première raison que fait, c'est un fait
d'accorder son élection atypique. Deuxième élément qui est important pour nous garder, c'est première fois Brésil qui ont président en fonction par réélu. Ok? Ouais. C'est première fois qu'un président qui ouais. en fonction li par réélu. Nous avons un deuxième mandat. C'est un gros choc. Oui, monsieur, vous avez oublié ça, non? Non. Jusqu'à présent, monsieur, je n'ai pas oublié ça. Et tout, c'est élection côté président élu, il fait plus voix. Plus de 60 millions de monde voté Lula. Et malgré tout, deuxième, la différence là, il est moins que 1%. Ok? Il est moins que 1%. Parce que plus de 58 millions de monde voté pour Bolsonaro. C'est juste pour me dire son élection qui était très très serrée. Jusqu'à présent, il y a de contestation toujours. Donc, parce qu'on connaît, il y a de monde qui pourquoi voulait accepter le résultat, même si contestation ça ne va pas mener à grand chose. Mais il y a de monde qui a de sentiments que ont mal.